N'est-ce pas que travaillent les cigarières? Oui, mon officier. Mais au moins, dis-moi, sont-elles jolies? Je ne sais pas. Je ne les ai jamais beaucoup regardées. Ce qui te préoccupe, mon ami, c'est une certaine jeune fille qui se nomme Michaela. Qu'est-ce que tu en dis? Je réponds que c'est vrai. Et je dis que je l'aime. Ah, d'ailleurs, voilà les ouvrières. Et vous pouvez juger par vous-même.
Mais Silva. Tu crois le vide et tu te tiens.
cette fleur-là m'a fait l'effet d'une balle qui m'arrivait. Le parfum est fort et la fleur est jolie et la femme, s'il est vraiment des sorcières, s'en est-il certainement. José! Michaela! Mais voici! Quelle joie! Si votre mère qui m'envoie, parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. Fidèle messagère, cette lettre. Une lettre. Et puis un peu d'argent pour ajouter dans votre traitement. Et puis. Et puis. Jour en absence.
Attends, je vais lire sa lettre. Non, non, je reviendrai. Michaela, attends. Je reviendrai. Que se passe-t-il ? Mon officier, c'était une querelle, une femme blessée. Et par qui ? Ben, par elle. Avez-vous quelque chose à répondre ? Parlez, j'attends. Pas de chanson, une réponse.
puisque tu le prends sur ce ton, tu chanteras ton air au mur de la prison. La peste, décidément, vous avez la main leste. Où me conduirez-vous? À la prison. Et je ne puis rien faire. Vraiment, tu n'y peux rien faire? Non, rien. J'obéis à mes chefs. Eh bien, donc je sais, moi, je sais bien prendre des plis de tout cette semaine. Tu feras tout ce que je veux. Et cela parce que tu m'aimes. Moi? T'aimer? Oui, je sais. La fleur dont je t'ai fait présent. Tu sais, la fleur de la sorcière. Tu peux la jeter maintenant. Le charme. Ne me parle plus. Tu m'entends? Je te défends de me parler. C'est très bien, Seigneur Officier. C'est très bien. Vous me défendez de parler. Je n'ai pas la réponse. Je chante pour moi-même.
si comme un homme libre, si je cède, si je me livre. Ta promesse, tu la tiendras, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu Je te pousserai, je te pousserai, aussi fort que je le pourrai.